Le jeu est arrêté et donc l'arbitre va autoriser le changement. L'idée, c'est de faire une différence en apportant du sang neuf. Espérons que ça marche. Le corner. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Wilson. Allez, super effort pour récupérer le ballon. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Il prend sa chance. Et oui, le bon réflexe. Ouais, la passe, elle est vraiment très intéressante. Mais hors-jeu là, dommage. Oui, la défense est restée attentive. Elle s'est bien alignée. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Madison, le temps passe, le chrono tourne, l'équipe doit tout donner pour aller marquer le but décisif. Bah, ce centre mérite beaucoup plus d'application. Eh, l'option de la contre-attaque est possible. Eh, fin des spéculations, ça faisait un moment qu'on en parlait, le transfert est confirmé. Effectivement, c'est un... Ouh, attention, ça bouge là! Et le tir, attention! Et le réflexe, magnifique! Un ballon intercepté, bonne intervention. Wilkinson. Très importante cette conservation de balle pour faire remonter le bloc. Mais non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Et attention à cette frappe! Quel arrêt, ça vaut très cher. Il permet à son équipe de conserver le match nul. En fin de match, comme ça, c'est absolument vital. Un peu de coaching avec ce changement. Corner. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Tillmans avec le ballon. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. L'occasion de prendre l'avantage. Et but! Le but dans les derniers instants. Dans les dernières minutes, c'est terrible pour l'adversaire. L'impensable et l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Et l'équipe retrouve la position. To pass the ball over there. Ce sont les derniers efforts pour remonter au score. Est-ce que ça va suffire? Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. C'est pour le gardien, sans problème. 1 minute d'arrêt de jeu. Wilson. Et c'est fini dans ce match, à l'issue donc de ce duel à l'extérieur. Qualification pour le prochain. Et attention à cette frappe.
Ah, le jeu interrompu et donc place au changement demandé. Quand ça va pas, tu changes. Au moins, tu essayes. Et peut-être que l'égalisation viendra de là. Le ballon perdu par Leicester. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Le corner. Oh, la volée était bien partie, mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Ndidi. Wilson. Un duel remporté et le ballon récupéré. Fofana à la réception. Yuri Tillmans. La passe vers Barnes. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Emerson. La passe pour Emerson. Paqueta. Et c'est intercepté ça. Wilson. Voilà la tactique, une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Barnes. Et ça joue sur Barnes. Et bien fait, attention à l'occasion. Et voilà l'égalisation avec ce but donc pour recoller à l'adversaire et pour relancer cette partie. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Les 20 dernières minutes de la rencontre. West Ham avec le ballon pour tenter quelque chose. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Oh, c'est contré. Wilson. Ballon Madison. L'action continue, c'est une bonne séquence. Et du mouvement pour aller porter le danger. Oh, c'est le poteau, ça joue. Fofana, la frappe. Intervention réussie sur ce ballon. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. C'est bien parti pour ce corner. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Voilà la bonne inspiration avec ce geste. Et ballon récupéré sur cette action. Le chrono qui arrive à son terme, toujours ce score de parité ici. Les supporters n'en finissent plus de pousser. Quelle tension, les amis! Insupportable, intenable! Ouais, une bonne intervention pour empêcher le centre. Le ballon finit dans leurs pieds. Attention à cette passe! Attention, pour mener au score peut-être! Et but! Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté, évidemment, mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça, la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football!
Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Declan Rice, Paqueta hérite de la balle. Et le ballon est rapidement mis en attaque pour tenter d'égaliser. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. West Ham qui tente de porter le danger. Voilà, c'est bien défendu. Du coup, le ballon est renvoyé. Et une occasion de contre à négocier. Oh là là, la balle de match! Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Et oui, le ballon dans leurs pieds. Tillmans avec le ballon. Et le face-à-face à venir. Et c'est au fond. Goal! Et donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. C'est terminé, l'arbitre met fin à cette rencontre et donc victoire à l'extérieur. Ce n'est pas vraiment un hasard ces deux buts d'écart. C'est le signe d'une supériorité collective assez nette. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer la... Fofana, la frappe. Intervention.
caballeros. You're safe this time, amigo, huh? Salut à tous, on est ravis de vous accompagner dans les rues de Leicester jusqu'au King Power Stadium. Au commentaire de ce match, c'est donc moi, le jeune Benjamin Da Silva, et c'est donc lui, le moins jeune, Omar Da Fonseca, face au foot anglais et à ce match de Première Ligue, Leicester City face à Aston Villa. Et oui, on se retrouve pour vous faire partager la magie, l'enthousiasme d'une exhibition artistique. Nous allons rentrer dans une extase sans recours au raisonnement. Bien placé Luis Muriel. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà le premier but. Quelques minutes de jeu. C'est bon. Et c'est bon. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but. Il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Leicester qui peut se projeter dans le camp adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Il y a un gros travail sur le bloc adverse pour les forcer à dégager. Attention pour égaliser. Bro, super why are you passing the ball, bro? Ouba Camara. Ah, le centre s'arrête sur le premier rideau défensif adverse. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Ah, la conclusion peut-être sur ce ballon. Ah, le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Oh, c'est contré. On voit le classement et c'est difficile pour les supporters de Man City de se contenter de cette place. Et on les compte. Effectivement, c'est un début de saison assez néfaste. Mais je reste un éternel optimiste. Vous me connaissez. La route est longue jusqu'à la fin. Il y a encore de la place pour avoir de l'ambition. Et ça joue avec Luis Muriel. Luis Muriel en bonne position. So what is this, bro? Et c'est dedans. Le but pour le doublé, magnifique. Il n'y a pas de secret. Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent. Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnelles. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Wilson. Ballon Madison. Madison avec la balle. Oh, la frappe. Et voilà, oui. La preuve qu'ils y croient encore. Plus qu'un but pour égaliser. On revoit la construction. C'est le tissage de l'action qui favorise la progression pour terminer devant le but. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Et le match reprend et Leicester a rattrapé une partie de son retard, mais il faut encore un but pour égaliser. Luis Muriel. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement.
C'est toujours un peu difficile de savoir comment va se passer un match, mais on risque pas grand-chose, franchement, en annonçant une grande rencontre de sa part. Attention, parce qu'il est dans tous les coups cette saison dans ce championnat. C'est une performance remarquable, surtout au niveau de la relation avec le but. Un véritable poison pour toutes les défenses. Wilson. Ouais, c'est bien vu, dans le dos des défenseurs. Ouais, la balle captée sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Ouais, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Ouais, bien anticipé, le ballon est intercepté. Madison. La balle pour Tillmans. Leicester tente de porter le danger. Oh, la tentative! Une belle parade et surtout très bonne lecture de la trajectoire. Madison joue le corner. Un dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. Christensen. Eh oui, c'est une récupération. Super progression dans la moitié adverse. Et ça joue sur Barnes. Le tir peut-être pour égaliser. Goal! Et oui, ils sont de retour. Le secret de ce bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Ah, le jeu reprend et le score est donc de 2-2. Bouba Camara. Ballon pour Lucas Digne. Et ici l'occasion pour mener. Et un arrêt qui fait du bien. Corner. Sans aucune difficulté pour le gardien. C'est un match très agréable parce que le ballon n'arrête pas de circuler. C'est un match effervescent. Il y a un contre possible à jouer là. Et bien donné en profondeur. C'est contré, mais ça va revenir. Et oui, le bon réflexe. Mugissement des tribunes avant ce corner. Peut-être l'occasion de prendre l'avantage sur cette incursion. Le corner. Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Ndidi avec ce ballon. Quelle intervention absolument décisive. Eh oui, le ballon dans leurs pieds. Très bonne progression, balle au pied. Il peut frapper. Quelle intervention, elle est hyper importante. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel. Et c'est en direction de Coutinho. Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et donc, le début de la seconde période avec ce match particulièrement équilibré. Les deux équipes font jeu égal, personne ne lâche rien et c'est passionnant. Oh, come on. Philippe Coutinho. Et ça joue avec Luis Muriel. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Ah, le contre est possible.
Wilson. Ah, cette séquence de possession est très dynamique. Harvey Barnes avec le ballon. Le tir. Un ballon facile à saisir. Et à l'affiche des matchs à venir, ce rendez-vous de Première Ligue, Leicester à Tottenham. Quand on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. Allez, il faut lever la tête maintenant. Aucune prise de risque, ce ballon est dégagé. Boubacar Camara reçoit le ballon. La frappe, oh, la bonne parade. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Un corner qui est bien ajusté. Et très bonne intervention du gardien. Et c'est reparti, nouveau corner. Bon, ce corner ne donne rien, renvoyé par la défense. Et ça joue avec Luis Muriel. Et attention à cette frappe. Oui, bien fait de la part du gardien. C'est bien parti pour ce corner. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Et ça joue avec Luis Muriel. Ah, il faut lui proposer des solutions. Ah, la frappe est bien contrée. Et voilà, encore sur la trajectoire. Ah, c'est le poteau, ça joue. Ballon pour Philippe Coutinho. Et encore une autre intervention de sa part. Ballon pour Lucas Digne. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Alors, il y aura un match de Première Ligue au programme et à suivre très bientôt. Aston Villa affrontera Brentford. Comme ils disent les jeunes maintenant, je suis hypé, c'est ça ? Je suis très hypé par ce match qui arrive. Yuri Tillmans. Madison. Oh, don't pass it. Leicester qui peut se projeter dans le camp adverse. Oui, oui. Et c'est l'occasion pour mener. Et le gardien était bien vigilant. Et le staff décide donc de faire un changement. Le corner. C'est dégagé, aucun problème. Wilson. Oh, la faute et du coup un coup franc très dangereux à venir. Et finalement le ballon est joué dans les pieds. Come on, this team. On le voit, la possession est partagée. Il n'y a pas d'équipe qui domine clairement l'autre. C'est assez équilibré. Le ballon va d'un camp à l'autre. Ça permet de donner une rencontre ouverte et très divertissante. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Leon Bailey. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Madison. Et ça joue avec Luis Muriel. Et c'est en direction de Coutinho. Bailey. Et but, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Et c'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Wilson. Madison avec la balle. Très bon timing sur cette interception. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Ouais, super geste défensif sans commettre de faute. Ndidi. La transmission pour Tillmans.
Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. C'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Ah, il est passé sur ce bon geste. Ah, la frappe est contrée. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Ah, la contre-attaque fait mal à la défense. Ah, c'est dommage, il y avait une bonne situation à jouer sur ce contre, mais le ballon est rendu à l'adversaire. Ah, toujours ce petit avantage d'un but à défendre dans les 5 dernières minutes. Attention à ce ballon donné dans la profondeur. Ah, il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. Ballon pour Philippe Coutinho. C'est pour Maddison. Très peu de temps encore à jouer. L'équipe se propulse en attaque pour égaliser. Ah non, pas bien dosé ce ballon. Et ça file vers le gardien. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. Le ballon qui est récupéré, tout le monde repart à l'attaque. Côté tribune, le public se levait d'un coup. Un but suffirait. Oh non, il sort. Il c'est la fin, ça y est, du temps réglementaire avec une vraie désillusion à domicile. Une défaite d'un tout petit but dans ce match. C'est dire comment les deux équipes étaient proches. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Bro, that's too much of money. I'm gonna invest in the phone app too.
Harry Kane à l'image. Il est absolument irrésistible depuis le début de la saison. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le coup d'envoi. Why did he like that? Salut à tous, on est ravis de vous accompagner dans les rues de Leicester jusqu'au King Power Stadium. Au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune Benjamin Da Silva et c'est donc lui le moins jeune Omar Da Fonseca. Tout en même au menu de cette retransmission avec une rencontre de Première Ligue, Leicester City contre Tottenham. Quel privilège de voir toutes les étoiles sur ce terrain. J'espère que vous avez vos lunettes de soleil parce que ça va briller. Passe manquée pour Leicester. Voici le 11 qui débute. Youri Tielemans sera associé à Ndidi au milieu. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Kane. Voici la composition de Tottenham. Dans le but, Hugo Lloris, Ben Davies avec Clément Langlais en défense centrale. Busquets sera accompagné d'Eusberg au milieu. Et en pointe, c'est donc Harry Kane. Et le gardien s'illustre bien. Un focus sur Harry Kane parce que c'est clairement le joueur, le buteur à surveiller. Oui, ses stats de vue marquées parlent d'elles-mêmes. Si ça continue comme ça, il faut préparer la vitrine pour le trophée du record. Leicester, une équipe dont le dernier match s'est soldé par une défaite face à Aston Villa. À quoi on peut s'attendre pour ce match selon vous ? Oui, sur un score assez douloureux de 3-2, devant le public en plus. Difficile vu le contexte dont... Le tir ou la parade du Hugo Lloris ! Le ballon pour Maddison. Excellent timing sur cette interception. L'anglais. La balle pour Busquets. Oui, c'est récupéré ça. Elle centre bien interceptée, ça ne donne rien. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Le ballon pour Harry Kane, en excellente position. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. Alors voilà, on vient de voir du tiki-taka. Le ballon circule vite pour créer une brèche et ensuite mystifier la défense. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Le jeu reprend après ce but concédé par Leicester. Busquets. La transmission à Kulusevski. Un très bon jeu de passe pour créer une brèche dans la défense. Ballon vers Emerson. Et bon ballon là, donné dans l'espace. Et la bonne parade du gardien. Petite combinaison. Et ça joue avec Olivier. Excellente couverture de balle. Olivier reçoit le ballon. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Goal! Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation. L'écart se creuse de longueur maintenant. Quel bombasse il vient de nous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer. Difficile de trouver du positif dans ce match avec ce nouveau but encaissé. On le voit, leur coach a l'air complètement déprimé. Oh,
Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Wilson. La passe vers Barnes. Bien défendu, sans faute. Les Spurs ont la possession de leur côté dans ce match. Et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses, ça perd. Attention, peut-être un but là. Et le but, facile, parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. On le revoit, le but était grand ouvert et donc ça finit au fond sans trop de difficultés. Le match qui reprend avec donc Tottenham qui est largement au-dessus avec ses 3 buts d'avance. Wilson. La balle pour Timmans. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Harvey Barnes avec le ballon. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Oh, ça va au fond, but! Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Emerson, voilà une attaque qui progresse bien. Sergio Busquets avec ce ballon. Et la tentative de lob. Et le petit ballon en rupture, bien stoppé. La sortie est impeccable, hein. C'était risqué, mais au final, c'est le geste qu'il fallait faire. Timmans avec le ballon. Ouais, oh, facile, ça passe. Oh, l'occasion de revenir. Got it. Et oui, got le but it. La remontada est en cours. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Et le match reprend. Leicester a rattrapé une partie de son retard, mais il faut encore un but pour égaliser. Madison avec la balle. Et encore pour Youri Tielemans. Non, et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Dejan Kulusevski. Harry Kane pour mener l'attaque. Alors je sifflé pour quelques centimètres. Wilson. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Kulusevski. Bon ballon en profondeur. Ah, c'était bien parti, mais la défense est vigilante. Peut-être un bon contre à négocier là. Ah, il faut redescendre, là il faut s'activer. Oh, piston. Le tir peut-être pour égaliser. Oh, il sert un ballon. Elle a frappé contrée. Le corner accordé aux Foxes, l'occasion d'égaliser peut-être. Les tribunes que sont flammes pour ce corner offensif. Première occasion de revenir à hauteur depuis un moment. Le corner de Madison. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par Yo, les défenseurs. What's up? Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Non, okay.
Wait, why does he say FIFA 22? Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Le ballon pour Harry Kane. Ah, bro. Le début de la deuxième mi-temps est toujours un but d'avance pour Tottenham. Le ballon pour Harry Kane. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Leicester qui peut se projeter dans le camp adverse. Oh, la frappe au but. Un bon arrêt du gardien. Madison joue le corner. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Le ballon pour Madison. Passé. Oh, cette attaque est stoppée. Bon retour de la défense. Emerson. Alors, au menu des matchs à venir, nous aurons donc rendez-vous avec de la Première Ligue. Leicester affrontera Brentford. Et oui, quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Wilson. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Le ballon pour Madison. Rip, bro, I shot it one time. I don't know if he took an extra touch. Son. That's it. But why did he stop running though? That's my problem. Le danger s'éloigne. Excellente intervention. Et on en profite pour vous rappeler que l'événement à suivre ensemble, c'est ce match de Champions League. Tottenham affrontera l'Olympique de Marseille. Oui, ce genre de match, c'est ce qui rend les rencontres de coupe toujours fascinantes à vivre. C'est un ballon de contre à jouer. C'est récupéré par Leicester. Wilson. Le ballon pour Madison. Madison avec la balle. Ah, la frappe est contrée. Et le changement va donc avoir lieu. Le corner. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Il frappe. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Højbjerg. Le ballon pour Harry Kane. Allez, Tottenham avec le ballon pour tenter quelque chose. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Quel tonnerre d'encouragement sur cette récupération. L'horloge tourne, mais il croit encore à cette égalisation. Et un changement donc. Son. Ouais, bien vu la passe de Son. Quelle intervention, elle est hyper importante. Ah non, c'est rendu directement. Kulusevski reçoit la balle. Ah, il s'est donné en profondeur. La défense ne se pose aucune question, ballon dégagé.
c'est pour Kulusevski. Le ballon pour Harry Kane. Et perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Non, bro. What the heck, bro? Kane. Ballon pour Heung-Minson. Busquets. Qu'est-ce que c'est mal donné? Et ça joue sur Harry Kane. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Oh, what am I doing outside, huh? Quelle ambiance! Écoutez un peu ça. Ils sont menés d'un but, mais je peux vous dire qu'ils sont des milliers à pousser. I wasn't trying to give the ball to him, though. Ça joue à pas grand chose là, meilleur jeu. Oui, la passe est peut-être venue un peu trop vite. C'est un problème de coordination collective. Kulusevski. Et ça joue sur Harry Kane. Ouais, apparemment, il y a une position de hors-jeu. Allez, changement donc. Dayan Kulusevski. Ouais, c'est très bien défendu. A toujours ce petit avantage d'un but à défendre dans les 5 dernières minutes. Harry Kane. Ouais, bien joué, le bon mouvement là. Yo, c'est pour Heung-Minson. Et il remporte son duel, bien défendu. Passé. Wilson. Une dernière attaque, toujours en quête de ce petit but. Bro, I couldn't, bro, I called him, he didn't even come closer like that. How am I supposed to pass the ball? Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Fuck. I got it. Just think of this game. What a tackle. Bonne intervention, ballon dans les pieds. Bro, we got time, we got time, we got time, we got time. Sandy. Et ça joue avec Tim Mans. Sandy! Oh my god, bro. Ballon pour Madison. Aïe, aïe, aïe. I couldn't do anything, finalement, là-dessus. C'est terminé, l'arbitre siffle donc la fin de ce match et malheureusement ça se solde avec une défaite à la maison. Une défaite d'un tout petit but dans ce match, c'est dire comment les deux équipes étaient proches. Oh, I did good, bro. Forcément, on va garder un œil sur lui. Il est absolument irrésistible depuis le début de la saison. On va voir ça ensemble. Salut à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine. On espère que chez vous aussi, vous êtes bien installés.
Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet. Pour vous commenter ce match, on est très heureux de retrouver le foot anglais et ce match de première ligue, Brentford contre Leicester. Et oui, le football, c'est notre richesse à tous. C'est notre plaisir depuis qu'on est enfant. Devant un match, on a tous un peu le même âge, n'est-ce pas? Oh, come on, we cannot lose against Brentford, though. Oui, c'est un bon ballon, ça. Attention. Un peu trop beau ce ballon dans le dos de la défense, comme ça. Petit excès d'anticipation dans l'appel des balles. Il faut oser, mais il faut doser aussi. Ça joue tonné. Ça continue avec Onyeka. Et c'est capté par le gardien sans danger réel. Youri Tielemans. Ça, c'est un super élément, évidemment, de cette équipe. Reste à savoir à quoi maintenant on peut s'attendre durant ce match. Oui, ces stats de but marqués parlent d'elles-mêmes. Si ça continue comme ça, il faut préparer la vitrine pour le trophée du record. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Ça joue avec Onyeka. Ah, la frappe est contrée. Superbe intervention, sans faute. Barnes. Leicester, une équipe qui reste sur une défaite lors de son dernier match face à Tottenham. On peut s'interroger sur leurs ambitions pour ce match maintenant. Oui, sur un score assez douloureux de 3-2, devant le public en plus. Même s'il faut garder à l'esprit de quelle équipe on parle, je les vois quand même gagner aujourd'hui. Un ballon récupéré. Avec ce centre vers le deuxième poteau, l'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Ça joue avec Tonné. Attention pour mener au score peut-être. Oh, oui, le but. En deux temps, la défense s'est laissée surprendre. Il a fait de son mieux le pauvre pour cette action, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. Surtout si les attaquants adverses sont les contre-favorables. C'est sûr que la passivité de la défense, ça n'aide pas non plus. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Wilson. Occasion avec cette frappe. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. C'est imparable. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Ensuite, à la tombée, c'est comme un drop de rubis. Le ballon qui touche le sol et en remontant, il est envoyé dans le but. La demi-volée, c'est une affaire de tempo et de rythme. Ah, le score de parité est donc un partout. Henry. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Et la bonne parade du gardien. Le public ne se trompe pas. C'est une bonne occasion de mettre un ballon dans la surface.
Ah, le corner bien tiré. Attention à ce ballon qui traîne. Et le danger est éloigné. Quelle parade! Son corps a obéi à son désir de garder le match nul. Et on va voir leur réaction après cette intervention. Et oui, okay. C'est dedans, but mm-hmm. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Il y a la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage. Il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Ivan Tonnet. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. Leicester n'a pas la possession du ballon dans son match. Pourtant, les chiffres de la possession, ça ne dit rien sur la dynamique d'un match. Il n'est pas nécessaire d'avoir souvent le ballon. Si tu marques à chaque fois que tu le récupères, hey, that was a goal. Oh, that was a goal. Oh wait, hold on. Let me check the replay, bro. That was supposed to be a goal. Okay, play. Let's see. Bro. Wait, hold on. Oh my, bro, this game is hot. Wait, hold on. Is that a go? No, wait. All right, no, that's not a go. We for getting a match. All right. Wait, what am I doing? Boom. Onyeka. Ah, dommage, ballon perdu. Oh, I'm so on the back now. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Il y a un contre à jouer maintenant. Leicester tente de porter le danger. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Madison. Et ça revient sur Barnes. Oh oui, la frappe. Oh, that's a goal. That's a goal. Le but pour le doublé. Quelle réussite, quel sens du but. Sa forme est étincelante et ça nous donne des frissons. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé ! Barnes.
Wilson. Ah, il élimine son adversaire. Ah, il frappe pour conclure. Peut-être. Oh, what a goal. What a goal. C'est le but. L'écart maintenant est encore plus important. 3 buts d'avance. On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond des filets. Magnifique. Ouais, c'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match. La domination est totale. Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. They have scored two. Le début de la deuxième mi-temps avec cette avance confortable en faveur de Leicester. Man, that's a foul, bro. Faute là sur ce tacle, attention, que va dire l'arbitre là-dessus? Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre en tout cas. Et ça joue sur Barnes. C'est contré. Oh. Madison frappe ce ballon. Corner de nouveau. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Et le ballon vient se loger dans les bras du gardien. On a green time for this. Alors à venir sur nos antennes et à vivre ensemble évidemment ce rendez-vous de Première Ligue, Brentford à Tottenham. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Ça joue Tonné à la récupération du ballon, c'est bien fait. Wilson. Et on parle, mais attention, parce que pendant ce temps-là, il y a un but à Stamford Bridge. Oui, 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 il s'agit du premier but pour Chelsea. Un but signé Hakim Ziyech d'un tir lointain. Un but à zéro, donc, et on joue ici depuis 55 minutes exactement. Très bien, merci pour l'info. Et ballon récupéré sur cette action. Youri Tielemans. Le ballon pour Madison. Harvey Barnes avec le ballon. Récupération du ballon. Yeah. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. C'est un changement donc. Et j'en profite pour vous rappeler le programme qui nous attend. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Et ils peuvent avancer là, les Foxes dans le couloir. Interception et no, récupération that's du ballon. Foul, bro. Well, I think he's gonna get a card. I think I'm still gonna get a card. Barnes. Oh, il s'est bien servi. Le ballon n'est pas maîtrisé. Attention. Et oui, le but. Oh, voilà man. Le troisième pour le hat-trick. C'est incroyable. Le
le troisième but pour le hat-trick. Quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression qu'il peut le réussir depuis le début du match. Et voilà, avec ce but, le score est maintenant de 5 buts à 1. Number 2, Ben Johnson. To be replaced by number 6, Johnny Evans. Barnes. Madison avec la balle. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Vers la surface. Le centre part bien. C'est bien joué. Pas de véritable difficulté sur ce ballon. Leicester a la possession de son côté dans ce match. Et même si la possession, c'est pas une fin en soi, on voit bien que cette équipe réussit à dominer son adversaire en le privant de ballon. Pas de ballon, pas de danger. Et justement, il y a peut-être une nouvelle occasion à venir. Excellente intervention. Voilà, le remplacement intervient. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Oh, la frappe au but. Oh, il arrête, mais le danger est encore présent. Oh, il s'en est valu de peu, mais ce ballon est bien dégagé. C'est pas de la métaphysique, c'est pas un être humain, c'est lui qui peut sortir ce ballon. Il a volé son moteur, c'est Superman ou quoi? Bien joué ça! Et c'est au fond, goal! Le point de départ, c'est toujours la position d'appui. Le pied est bien planté, ce qui permet derrière de transmettre toute l'énergie. Quelle frappasse! Et c'est très spectaculaire. 7 buts inscrits au total. Le score 5-2. Timmans. Wilson. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. On revoit bien cette frappe. Ce n'était pas forcément le plus facile de jouer le poteau rapproché. Je trouve que c'est très bien vu de sa part. Et le récital en attaque se poursuit. Les nouveaux buts en est la preuve. La défense est vraiment en souffrance. Yeah, that's a far, bro. Faute et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Ce ballon qui leur échappe a une occasion de contre à négocier. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Oh, look at how heavy the touch was. Et le drapeau se lève, c'est finalement un hors-jeu. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Un bel passe en profondeur. Elle s'est reçue et il y a des solutions. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe est vers l'avant. C'est elle qui vient casser les lignes. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Yo. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. La frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré.
et nous aurons donc le droit à 4 minutes minimum de temps supplémentaire. En bonne position. Oh, le but de la tête. C'est du classique, mais c'est du solide et ça marche. Et voilà le centre qui passe au-dessus de son défenseur direct qui va chercher un coéquipier au second poteau. C'est très bien joué tout ça. Ensuite, mauvais marquage et la défense ne peut pas intervenir. Le ballon finit sur la tête d'un attaquant qui le renvoie au fond des filets. Allez, sur ce match, il n'y a pas de débat. Domination totale. Le score est sans appel. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre et donc les trois points de la victoire sont pour l'équipe visitante. Toute l'équipe a mis de l'énergie et de l'ambition pour remporter ce match. C'est une victoire largement méritée. All right, bro. I'm gonna end it right here, though. Yeah. All right. All right, peace out.